Hey, salut tout le monde, c'est Artfrag et aujourd'hui on se retrouve sur 7 Days. Alors 7 Days, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'horreur qui, je dirais, serait un peu à la sauce de Minecraft. C'est-à-dire que c'est les graphismes de Minecraft. On m'avait conseillé d'y jouer, apparemment on me fait assez peur. J'étais un peu suspicieux à ce sujet parce que, si vous voulez, Minecraft pour moi ça n'a rien à voir avec un jeu d'horreur et je voyais mal. Jeu d'horreur sur Minecraft. Donc on va voir si j'ai raison ou j'ai tort. New game. Voyons voir. Donc je suppose que... Ah. Je suppose que ça a été créé à partir de Minecraft. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment bibliothèque de Minecraft, lit de Minecraft. D'ailleurs, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Ah, ok. Alors... Locked. Et donc, comme je disais, pour moi, un jeu d'horreur sur Minecraft, c'est une grosse blague. Ok. On va voir si je me trompe. On va pas tarder à le savoir, de toute façon. Qu'est-ce que c'est ça? Petite musique d'ambiance. Ah, du sang, une plante. Locked. Comme dans tous les jeux d'horreur, c'est bien connu, toutes les portes sont fermées. Et toutes les portes grincent. Hey, salut plante. C'est génial. Qu'est-ce qui se passe là? J'entends mon cœur battre. Hein. Oula! Bah, arrête, tu vas pas avoir peur hein, d'un jeu sur Minecraft quand même. Ah, merde. Non, ouvre. Alors, je sais même pas le but du jeu. Hein. Sam. Ah, c'est drôle parce que je m'appelle Sam. Enfin bref. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oula là, mon écran se déforme. Qu'est-ce pas ça? Oh! Qu'est-ce que c'est? Je sais même pas où je dois aller. Il y a plein de sang par terre, c'est inquiétant. D'accord. La cuisine. Est-ce qu'on peut ouvrir le frigo? Non. Magnifique tableau. Ah, ah voilà, ça c'est intéressant. En trois lettres. Bah je dirais Sam, vu que c'est écrit sur le mur. Voilà. Si, si. Alors là, c'est un peu easy quand même. Hein. Hop. Y a rien d'autre. Alors pour le moment, hein, ça confirme bien ce que je disais. Hein, ça me fait ni chaud ni froid. Ouais. C'est quelle porte qui était fermée? Non, pas celle-là. Elle était par là, il me semble. Non, là. Si, si. La porte est ouverte. Oh!
Ouais, alors là la porte s'est juste refermée derrière moi et j'ai entendu quelqu'un courir dans la pièce. Vas-y, on va faire le... Quel est ce bruit? Bon, je vous avoue que l'ambiance commence à être... commence à devenir un peu angoissante. Ils sont gentils, mais y a rien à la bibliothèque là, y a... De la rigolade. Alors. Il doit sûrement y avoir quelque chose de planqué par ici. Une clé ou je sais pas. Ah d'accord. Alors je m'amusais à cliquer un peu partout et j'ai trouvé une clé. C'est génial. C'est impressionnant la moule que je peux avoir de temps en temps. C'est... Écoutez, je vais cliquer un peu partout, hein. Si jamais je trouve une deuxième clé. Et donc là, je suppose que je vais devoir ouvrir une de ces portes. La blanche. Non, la grise. Bingo! Une pièce grise, ok, avec une cage, une magnifique plante, et une autre cage. D'accord. Ah ! Et une clé ! Je suis trop fort, je suis trop fort. Ah non ! En fait, non, je suis pas trop fort, non. Ah, je croyais que j'avais... Je croyais que j'avais ouverte. Bah, à quoi je... Oh, putain! Oh, my... Oh, my God! Ok, bon, ok, je retire tout ce que j'ai dit sur Minecraft. Ok, ça peut foutre les boules. Ok. C'est pas ça. Ok, donc là, apparemment, je viens de me réveiller. Est-ce que la partie recommence à zéro ou quoi? Il se passe quoi là? Oh! Ah non, d'accord, je crois que je poursuis. D'accord, et là donc je suis enfermé dans ma chambre. Je suis puni. D'ailleurs, une clé quelque part. Ce livre, si je fais ça au genre. On va s'abstenir de commentaires, je crois. Hein, c'est pas comme si j'étais en train de chercher depuis 5 minutes comme un connard alors que j'ai la clé dans mon truc. Hop. Ah oui! Alors j'ai la clé mais c'est même pas la... La clé pour ouvrir un... Stuck, la... The door is stuck. Stuck, je sais pas ce que ça veut dire, ça veut sûrement dire bloqué je pense, un truc comme ça. Ah, en fait la clé c'est pour
C'était pour ça. D'accord. Une autre page. Bien. Et là, je suppose que comme par magie. Même pas. Entrez. Putain, mais ça a changé de décor là. C'était pas comme ça tout à l'heure. Une clé. What the fuck? Donc cette clé qui je suppose... Ah putain de porte de... Ah voilà. Cette clé je suppose qu'elle ouvre cette porte. Bingo. En même temps il n'y a qu'une seule porte à ouvrir. Je dois vous avouer que je suis... Oh wow, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est pas ça? Ah t'es très sexy. D'accord. Bon. À mon avis, c'est ça qu'il fallait faire. Il fallait simplement regarder le tableau. Il n'y avait pas du sang tout à l'heure là, si. J'aurais peut-être pas fait gaffe. Ok, donc à mon avis, il faut juste retourner en arrière. Bon, j'avoue que pour un jeu Minecraft en fait ça va hein. Franchement il met un petit peu la pétoche quand même. Il n'y avait pas tout ce sang là tout à l'heure. Bah, les couloirs comme ça pue les... D'ailleurs il n'y avait pas ce couloir là je crois. Non mais non il était pas là. D'ailleurs ça pue le screamer. J'aime pas trop, putain non j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Vas-y, je suis un bonhomme. Viens là. Un mur. C'est une blague? Non ça. Un grand couloir. Et en fait c'est un cul-de-sac. Ah du coup il va être sur le retour. Ah un autre cul-de-sac. Ah! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel là? Oh putain d'enculé. Putain. Ah là je suis tout crispé. Bon. Ils sont gentils mais je sors comment là? Oh le coup de frayeur. Bon. On va lire la note peut-être. Et voilà. Et là je vais me réveiller je suis sûr. Bon écoutez, je vais pas vous spoiler plus le jeu. Alors, franchement ça commence vraiment petit à petit. Mais il y a quand même moyen de se taper des bonnes frayeurs. Et ouais, franchement je vous le conseille parce que si ça continue comme ça, je crois que je vais faire un infarctus. Je pense que c'est de pire en pire. Là le jeu est pas terminé, mais je vais arrêter là maintenant. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Ciao.